Sam, bienvenido a Barça TV, gracias por atendernos. Después de todos estos meses, pocos meses que llevas en el equipo, me gustaría preguntarte qué significa Barcelona para ti, más allá del equipo donde juegas. Barcelone, pour moi, c'est le meilleur club au monde, avec les meilleurs joueurs au monde. Donc, c'est le top niveau pour moi, c'est le club où pour moi il y a le plus d'exigences. Donc voilà, c'est ce que je suis venu chercher ici, cette exigence-là et gagner des titres. Donc, je pense que je suis vraiment tombé dans la meilleure équipe possible pour remporter tous les titres possibles cette saison. Me hablas de tus objetivos profesionales y Barcelona como ciudad, ¿estás cómodo viviendo en ella? ¿Estás a gusto? Sí, pour moi ici, il y a tout pour réussir. Comme je l'ai dit, il y a des joueurs formidables, un club qui est exceptionnel, et aussi la ville en elle-même, il y a tout pour être heureux, le temps, la mentalité des gens, la plage. Franchement, je suis très heureux ici. Te lo comentaba antes, Sam, cuando estábamos paseando. ¿Se parece en algo Barcelona a Lyon? ¿Encuentras de alguna manera que se parezcan, algunas similitudes entre las dos ciudades? ¿O estás viviendo cambios diferentes? La ville, le centre-ville ressemble, il y a certaines choses qui peuvent ressembler à Lyon. Mais après, il y a des choses qui changent, comme le climat. Le climat est totalement différent, surtout en hiver, où ici il fait beaucoup plus chaud. Et aussi la mentalité que les gens ont ici est différente de Lyon. Ya conocías cómo se vivía aquí, me habías dicho que habías venido de vacaciones aquí, Sam. ¿Qué conocías de Barcelona antes de venir? J'ai visité la Sagrada Familia, le parc Montjuïc, c'est Sí, ça? Montjuïc, sí. J'ai visité ça et puis j'étais resté 2-3 jours ici. J'étais venu ici parce qu'il faisait beau, donc voilà, je suis aussi allé à la plage, mais je connaissais pas grand-chose avant de venir à Barcelone. ¿Cómo recuerdas el día que llegaste para fichar por el Barça? Te entrevistamos ese día en el Benvingut que te hicimos. No sé si lo recuerdas como un sueño, viviste muy intensamente aquellas horas. ¿Qué recuerdo tienes ahora que han pasado unos meses de ese primer día, el día que aterrizas y que por fin entras en el Camp Nou y te presentan? Ah, c'est vrai que mon arrivée, moi je l'ai vécu aussi comme un, on va dire, un rêve qui se réalisait pour moi, parce que bon, j'ai toujours voulu être et jouer à Barcelone un jour dans ma vie, dans ma carrière. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, j'avais les yeux qui brillaient, j'étais attentif à tout, je regardais un peu tout. Et surtout quand je suis arrivé au Camp Nou pour ma présentation, j'étais vraiment le plus heureux. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie, parce que c'est vrai que je l'attendais impatiemment. Et après, tous les jours qui ont suivi, j'essayais de prendre conscience de ce que j'avais fait, de cet objectif atteint de signer à Barcelone. Et voilà, après, je me suis dit que bon, c'est que le début, il faut continuer à travailler pour atteindre mes objectifs que je me suis fixés. ¿Cómo está siendo tu día a día, Sam? ¿Qué hace Titi en un día normal, por ejemplo? En un día como hoy, si no te hubiéramos traído aquí a hacer la entrevista. C'est pas très compliqué, vu qu'on s'entraîne tous les matins. Ensuite, je rentre, je mange et je fais ma sieste tous les jours, on va dire 1 heure et demie, ça peut aller jusqu'à 2 heures de sieste. Et après, certaines fois, j'ai des cours d'espagnol. Ou sinon, j'aime bien regarder des films, des séries et jouer à la PlayStation. Te lo iba a decir, Sam. Me han chivado que la PlayStation y la música Sí. son dos de tus pasiones. Me imagino que la videoconsola también juegas a fútbol. ¿Sí? Sí. C'est vrai que j'aime beaucoup écouter la musique. Quand je me lève le matin, je mets de la musique. Quand je suis dans ma voiture, je mets de la musique. Et tout le temps, je pense que ça me donne aussi, on va dire, ça me met de bonne humeur tous les jours pour aller à l'entraînement ou même quand je rentre chez moi pour être de bonne humeur, j'aime bien avoir de la musique au quotidien. ¿Qué te gusta de música? Ah, j'aime beaucoup de R&B US, reggaeton, du zouk,
c'est on va dire un peu plus pour danser. Et comment c'est la cumbia. Cumbia, oui. J'aime beaucoup aussi. Je suis ouvert un peu à tout, à part tout ce qui est électro, boom boom, j'aime pas trop. ¿Y hay algún artista que te guste especialmente, algún cantante que haya sido a más conciertos, que sea tu cantante favorito desde siempre, algún grupo? Ouais, un artiste que j'aimerais beaucoup voir ou rencontrer, c'est Drake. C'est un chanteur américain que j'aimerais beaucoup rencontrer, que j'aime beaucoup. Ou sinon, Chris Brown aussi, j'aime beaucoup. Après, il y a des chanteurs de reggaeton aussi que j'apprécie. J'espère les rencontrer. Tengo la sensación que igual con Neymar os debéis estar escuchando música, porque él también es un gran fan de la música. No sé si es así. No solo Neymar, en el vestuario sé que os gusta mucho la música, pero a él también le vemos siempre. Ouais, c'est vrai que Neymar, on écoute à peu près le même style de musique, que ce soit lui ou même Rafinha aussi qui écoute le même style de musique que moi. Mais c'est vrai que le vestiaire, il vit bien, il y a souvent de la musique. Et j'aime bien ça. On écoute, des fois certains dansent, mais tout le monde ne sait pas danser, donc c'est bien marrant. Tienes la sensación, Sam, que aunque sea a través de la música, también es un factor de unión en un vestuario. Sobre todo hoy en día, siempre se habla mucho de las personalidades, de cómo es cada uno. Pero igual, la gente desde fuera, cosas que pueden ver más normales, como qué tipo de música te gusta, ayuda a unir, ¿no? Sí, c'est vrai que je pense que la musique arrive à réunir pas mal de personnes. Et surtout dans un vestiaire, quand on met un type de musique, bah, on voit que certains sont contents, on rigole ensemble, on chante ensemble. Donc je pense que la musique arrive à unir pas mal de monde. Si vamos a repasar ya tu etapa en el Lyon, Sam, ¿cómo recuerdas el momento en el que tú ves que realmente puedes convertirte en un futbolista profesional? Porque me imagino que no tiene que ser fácil ver que todos tus amigos, también tu familia, cree que tú puedes llegar a serlo. ¿Tú cómo lo vives esto? Es decir, ¿cuándo crees realmente que puedes ser un futbolista profesional? Porque me imagino que empiezas jugando para pasártelo bien. C'est vrai que la plupart des joueurs, eux, savent tout de suite qu'ils veulent être professionnels. Quand j'ai commencé à jouer, c'était pour m'amuser avec mes amis, mes copains. Et à partir de quel âge? 12 ans. 12 ans, comme je faisais sport-études, en même temps des études qui étaient aménagées. Et après, j'allais m'entraîner. Là, je me suis dit qu'il y avait la possibilité. En tout cas, j'allais faire le nécessaire pour être professionnel un jour. Sam, siempre he leído que para ti tu familia es muy importante. Me imagino que ellos te marcaban mucho, sobre todo tu madre te marcaba el tema de los estudios. Siempre lo has tenido muy claro, ¿no, Sam? Que era muy importante también seguir en un buen nivel en la escuela, a pesar de que tuvieras realmente opciones de poder llegar a ser un futbolista profesional. Ouais, je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'ai réussi, c'est que ma mère a toujours été, m'a toujours soutenu, mais m'a toujours fait comprendre qu'avant le foot, il y avait les études. C'était important d'avoir des diplômes. C'est vrai que des fois, si je faisais pas mes devoirs, bah, elle ne voulait pas que j'aille aux entraînements. Donc ça me poussait à bien travailler à l'école et pour pouvoir m'amuser et aller sur un terrain de foot. Donc c'est vrai que le fait d'avoir cette rigueur-là, ça m'a permis d'aller très loin dans le football. Así que como todos los niños que hemos jugado, hasta que no se hacían los deberes, no se iba a entrenar. Sí, sí, c'est vrai, je pense que ça m'a aidé. Le fait de, des fois, de rester à la maison parce que j'avais pas fini mes devoirs. Et au final, bah, je travaillais plus pour pouvoir aller m'entraîner. De los estudios, ¿qué es lo que se te daba mejor? Lengua, matemáticas, historia, ¿qué es lo que más te gusta? C'est vrai que j'aimais beaucoup les langues. Si j'avais pu, je pense que j'aurais passé mon diplôme, on va dire, de lettres pour pouvoir parler plusieurs langues, parce que j'aime beaucoup, que ce soit l'espagnol, l'anglais, l'italien, j'aime beaucoup, donc j'aurais aimé, mais bon, on va dire qu'il y a eu le foot, j'avais pas beaucoup de temps, parce que j'avais des sélections de jeunes aussi avec l'équipe de France. Donc c'était un peu compliqué de faire les deux à la fois, mais j'aurais aimé avoir un diplôme de lettres pour pouvoir parler plusieurs langues. Ils m'avaient commenté, corrige-moi si je m'équivoque, que también en la partie finale de tus estudios,
¿Te habías interesado por el marketing, puede ser? Sí, el marketing, mais on va dire que je voulais passer ce diplôme-là, mais à cette période-là, je jouais déjà avec l'équipe première, avec l'équipe professionnelle. Et dans le lycée où j'étais, on n'avait pas de cours de rattrapage, donc j'avais du mal à rattraper mes cours, donc j'ai pas pu passer mon bac, j'ai pas pu avoir mon diplôme. Mm-hmm. C'est une des déceptions que j'ai, parce que bon, j'aurais aimé l'avoir, surtout pour ma mère. Mais au final, bon, j'ai réussi à signer professionnel et à jouer avec Lyon en équipe première. Leí que dijiste que tu madre es tu mayor fan. Es tu mayor fan. Siempre es la persona que te ha guiado, ¿no? Me imagino, en toda tu carrera, tu familia, tus hermanos también, ¿no? ¿Hasta qué punto son importantes en tu vida? Ouais, je pense que ma mère, c'est la personne la plus importante pour moi, qui a tout fait, vraiment tout fait pour que je réussisse, en tout cas que j'arrive au plus haut niveau avec Lyon. Je suis vraiment, si j'en suis là, c'est vraiment grâce à elle, donc j'aimerais vraiment la remercier tous les jours, parce que ça n'a pas été facile pour elle, elle a fait pas mal de sacrifices pour moi, donc au quotidien, j'essaye de la remercier. Et si tous les matins et tous les jours, j'essaye d'aller à l'entraînement, d'être bon, c'est aussi pour elle et pour la remercier de tout ce qu'elle a fait. ¿Y cómo vive la familia el momento en el que fichas por el Olympique de Lyon? Porque tú estabas en un equipo de barrio, en el Menival, y en ese momento, cuando te vas a un equipo como el Olympique, me imagino que cambia un poco la perspectiva. ¿Cómo vive en ese momento todo tu entorno, ese cambio? Bien, c'est vrai que je suis très discret, ma famille aussi, on est très, très discret. Et, bon, de passer de Menival à Lyon, ça ne nous a pas trop changé, nous on le prenait bien. On m'emmenait aux entraînements, ça se passait bien, j'allais dans des tournois, je faisais des bons matchs. Après, c'est vrai que quand j'ai signé mon contrat professionnel, mon statut a changé, le regard des gens aussi a changé, mais ma famille, on est tous, on est restés les mêmes. On est restés franchement discrets, on ne se prenait pas pour des autres. Et je pense que c'est ce qui fait aussi ma réussite et le fait que j'ai la tête sur les épaules. Incluso me han comentado que tu madre sacó el carnet de conducir para poderte llevar a los entrenos del Olympique de Lyon, porque cuando tú jugabas en el Menival el campo estaba más cerca de casa, pero las instalaciones del Olympique estaban más lejos de tu barrio. ¿Es así directamente o hay más matices? Non, c'est ça. C'est vrai que quand Lyon est venu, quand j'ai fait mes détections pour aller à Lyon, c'était ma mère, elle ne savait pas si elle me laissait aller à Lyon ou pas, parce qu'il y avait ce problème-là du fait qu'elle n'avait pas le permis. Et pour faire les allers-retours, pour m'accompagner, c'était compliqué. Et quand je dis qu'elle a fait des sacrifices, bah, ça passe par ça. Elle a passé son permis de conduire pour m'emmener et venir me chercher aux entraînements. Se dice que cuando eres pequeño ves a los ídolos que si tocan el césped con la mano, con el pie. Yo no me he fijado en estos partidos con el primer equipo. ¿Tienes alguna superstición? Non, je pense pas. Non, mais c'est vrai que juste quand je rentre sur le terrain, j'ai une façon particulière de rentrer que je fais tout le temps. Et je ne sais même plus pourquoi, mais ça devient une habitude que je peux... Maintenant, je le fais naturellement. Te vemos aquí sentado prácticamente como juegas, tranquilo, viendo que tienes tus posibilidades, con capacidad para mejorar día a día, siempre intentando ser muy perfeccionista. ¿Es tu filosofía esta de vida? C'est pas facile de rentrer dans une équipe comme Barcelone, avec des stars comme Messi, Iniesta, j'en passe, mais moi, comment je vois les choses, ma vision des choses, c'est se lever le matin, travailler au quotidien pour atteindre ses objectifs. Et même si on fait un match bien ou deux, je pense que tout le monde est capable d'en faire un ou deux bien, mais le plus important, c'est d'être constant et d'en faire une dizaine, une quinzaine bien. Et c'est ce que je recherche, c'est ce que je suis venu rechercher ici à Barcelone. Sam, muchas gracias por atendernos y nada, a ver si pronto podemos ir a Lyon a conocer tu barrio. Gracias a vos. Gracias, Sam.